Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons travailler sur le lieu de la respiration, c'est-à-dire la cage thoracique. Et nous allons en particulier travailler avec la respiration Ujjayi ou encore la victorieuse. C'est une respiration que vous allez voir qui vous permet d'arriver vraiment à vous concentrer plus facilement, qui vous calme. Bon, donc nous verrons ça. Vous allez commencer, nous allons commencer par cette respiration justement. Vous allez vous allonger sur votre tapis, les jambes pliées. Vous allez mettre la main gauche sur votre ventre et la main droite sur la poitrine. Et là, pendant quelques instants, vous observez votre respiration, surtout le mouvement respiratoire. Observez qu'à l'inspiration, la main droite se soulève. À l'expiration, la main gauche s'abaisse. Rétraction au niveau du ventre. Pendant quelques instants, vous observez sans rien changer. Inspire, la main droite se soulève. Expire, rétraction du ventre, la main gauche s'abaisse. Vous allez maintenant vous arranger pour entendre votre respiration. Vous allez légèrement contracter la gorge et votre respiration doit être audible. Comme la respiration du dormeur. Inspire. Expire. Et continue. L'air doit frotter votre gorge. Et ça fait un peu le bruit de l'océan. Comme si la vague. On inspire, la vague arrive. Expire. Je creuse le ventre. Vous allez reprendre une respiration normale, puis vous allez rouler sur le côté et venir vous placer à quatre pattes. Alors, quelqu'un a appelé et maintenant le plus là. Vous allez maintenant vous mettre à quatre pattes et nous allons commencer par échauffer notre dos. Alors, sur l'inspire, vous creusez, vous connaissez, vous faites le chat, expire, vous arrondissez, c'est la vache. Puis vous relâchez l'air. Toujours
toujours en gardant les cuisses perpendiculaires au sol. Vous allez étirer votre dos, vous poussez vos mains devant vous jusqu'à ce que le front se pose au sol. Et là, vous maintenez 6 respirations. Vous faites glisser vos mains, vos fesses vont se poser sur les talons, le front est toujours au sol, puis vous allez mettre la colonne à la verticale. Croisez les mains, les doigts derrière la tête. Ouvrez bien les coudes. Allez, sur l'instant. Vous inspirez au centre, expire, vous tournez le buste vers la droite en descendant bien, continuez à ouvrir les coudes. Expire, inspire au centre. Expire à gauche. Inspire au centre. Expire à droite. Expire au centre. Inspire à gauche. Et une dernière fois. Inspire au centre, expire, tourne le buste vers la gauche au maximum. Et on revient au centre sur l'inspire. Relâchez. Vous allez maintenant, vous continuez à vous asseoir sur vos talons. Alors, il y aura une possibilité d'améliorer la posture pour celles qui ont vraiment des difficultés. Voici la posture. Vous mettez vos mains à plat derrière les pieds. Les fesses sont posées sur les talons. Puis vous allez pousser la poitrine en avant. Et regardez le plafond. Et là, dans cette posture, vous comptez 6 respirations. Alors, ne relâchez pas complètement la tête, simplement vous regardez le plafond. On remonte cette colonne, le dos. Vous allez maintenant, vous êtes toujours à quatre pattes. Sur l'inspire, vous allez lever la jambe droite le plus haut possible. Alors, je vais faire de l'autre côté. Inspire, on lève la jambe droite le plus haut possible. Expire, on va passer la jambe droite et déposer ce pied droit à gauche de la jambe du pied gauche. Inspire, on monte le bras droit par le côté et on regarde le bout des doigts. Et on maintient 4 respirations. En sentant bien l'ouverture de la poitrine du côté droit. On fait travailler tous nos muscles. Quatre respirations. Quand c'est fini, sur l'expire, on ramène la main au sol, puis on ramène le genou à côté de l'autre genou. Inspire, levez la jambe gauche le plus haut possible. Expire, allez déposer le pied gauche
à droite du pied droit. Puis inspire, montez le bras gauche à la verticale. Tournez la tête, regardez le bout de vos doigts. Et maintenez 4 respirations. Concentrez-vous sur la partie gauche de la cage thoracique. Sur l'expire, on ramène la main au sol, on ramène le genou gauche à côté du genou droit. Vous allez maintenant venir vous asseoir tranquillement. Soit vous avez les jambes tendues devant vous, soit croisées. Alors nous allons faire l'aigle endormi. Vous allez plaquer vos bras. Alors, le bras droit vient se mettre derrière la partie gauche du dos. Le bras gauche vient se placer derrière la partie droite du dos. Et là, on arrondit le dos, on expire très fort. On referme cette cage thoracique. Puis d'un coup, notre aigle déploie ses ailes, on ouvre. Allez, 4 fois. En changeant la position des bras. On arrondit. Notre aigle est endormi. Inspire, il se réveille. Expire. On change la position des bras. On arrondit. Inspire, ouvrez bien. Poussez la poitrine en avant. Rapprochez bien les omoplates. Et une dernière fois. Et on ramène. Vous allez maintenant vous mettre à 4 pattes et nous allons faire la petite salutation au soleil. Donc, vous partez à 4 pattes, d'abord assis sur les talons, mains jointes devant la poitrine. On expire. Inspire. On passe à genoux, les bras montent à la verticalité, les mains se joignent, on regarde le plafond. Expire, les mains se séparent, on vient se mettre dans la posture de la prière. Les fesses sur les talons, le front au sol, les bras et le dos bien étirés. Inspire, on passe à 4 pattes, on creuse le dos. Regardez devant vous. On tourne les orteils. Et en expirant, on monte les fesses vers le plafond et on descend les talons vers le sol. Sur l'expire, on descend les talons. Inspire à 4 pattes. Creusez le dos, regardez devant vous. Expire. Posture de la prière. Front au sol. Fesses sur les talons. Et sur l'inspire, hop, mains jointes. Mains jointes à la verticale, bras tendus, expire, on s'assoit sur les talons. On recommence, on le fait encore une fois. Inspire, on passe à genoux, on regarde le plafond. Expire, on sépare les mains, posture de la prière, fesses sur les talons, front au sol. Inspire, à 4 pattes, on creuse le dos, on regarde devant soi, on retourne les orteils. Et en expirant, on monte les fesses vers le plafond, on descend les talons vers le sol. Inspire, à 4 pattes, creusez le dos, allongez les orteils, regardez devant vous. Expire, posture de la prière, front au sol. Et sur inspire, à genoux, tendez les bras, expire, ramenez les mains jointes devant la poitrine. Prenez le temps de respirer. Respirez bien. Vous allez maintenant passer à 4 pattes.
Vous retournez les orteils. Retournez bien. Inspire, creusez le dos, regardez devant vous. Expire, levez les fesses vers le plafond, descendez les talons vers le sol. Étirez bien. Étirez. Si vous avez du mal, pliez un peu les genoux, mais l'essentiel, c'est de bien étirer le dos. Puis, vous étirez un genou après l'autre, une jambe après l'autre, comme si vous montiez en danseuse sur le vélo. On tend une jambe après l'autre. Puis maintenant, on tend les deux jambes. Et tranquillement, on recule une main après l'autre. Et on relâche. Relâchez bien. Sur l'inspiration, on va remettre notre dos à la verticale. Donc, on le remet vertèbre par vertèbre à partir du bas. On laisse bien tomber la tête, les bras. La tête se remet en dernier. Respirez bien. Vous allez vous mettre à même le sol. Les pieds à même le sol. Je me mets le profil. Donc une petite posture d'équilibre qui va en même temps nous permettre de faire travailler le haut de la poitrine. Allez, inspire, on monte les bras, on soulève les talons. On s'étire. Expire, on ramène. Et on continue. Inspire, montez les talons, montez les bras en même temps. Encore 4 fois. N'hésitez pas à pratiquer votre respiration ujjayi. Pensez au bruit que font les vagues de l'océan. Vous devez l'entendre, cette respiration. Vous allez maintenant vous mettre les pieds parallèles, joints, et nous allons pratiquer la posture de la demi-lune. Vous allez laisser votre bras droit pendre sur le côté, la main posée sur la cuisse droite. Sur l'inspire, vous montez le bras gauche par le côté, à la verticale. Puis en expirant, vous allez pencher le buste vers la droite, vous faites glisser votre main le long de la cuisse droite jusqu'à placer votre bras contre l'oreille, votre bras gauche contre l'oreille, et vous mettez tout votre corps en posture de la demi-lune. Vous restez 4 respirations dans la posture. Inspire, on remonte à la verticale. Expire, on ramène le bras gauche par le côté. Sur l'inspire, le bras droit monte à la verticale. Expire, on penche le buste vers la gauche. On va étirer tout le côté droit. La main gauche glisse sur la cuisse gauche. Tirez un peu les fessiers, contractez légèrement l'abdomen. Et là, vous maintenez 4 respirations. Essayez de regarder votre main gauche. Tournez la tête pour regarder la main gauche. Sur l'inspire, on remonte à la verticale.
Expire, on ramène sur le côté. Alors, vous allez maintenant bien écarter vos pieds. Vous allez les mettre parallèles et bien écartés. Portez les mains jointes devant la poitrine. Sur l'inspire, les bras montent par le côté à la verticale. Les mains sont jointes. Vous regardez le plafond, vous gardez votre tête entre les bras et vous regardez le plafond. Puis les paumes de main se séparent, les pouces touchent et en expirant, le dos bien étiré, vous allez pousser les fesses en arrière, vous allez descendre le plus bas possible. Et vous allez poser vos mains au sol, à plat. Les jambes sont tendues, les pieds parallèles. Les bras, les mains posées autant que possible entre les pieds, mais un peu en avant si ça vous peut faciliter la vie. Un peu devant si ça vous facilite. Inspire, le bras droit monte par le côté à la verticale. Le regard suit la main droite qui monte. Expirons, amène la main droite à côté de la main gauche. Inspire, le bras gauche monte par le côté. Suivez du regard. Expire, on ramène. Allez, encore. Inspire, montez le bras droit à la verticale. Tournez la tête pour regarder votre main droite. Expire, on ramène. Inspire, tendez bien les jambes. Et on va le faire une dernière fois. Inspire. Puis, vous allez placez vos bras contre les oreilles, les jambes sont bien tendues, les fesses sont poussées en arrière et on remonte le dos bien étiré à la verticale. On joint les mains et sur l'expire, mains jointes devant la poitrine. Vous allez maintenant un peu écarter les pieds. À peine au-delà de la largeur du bassin. Vous allez placer, croisez vos mains derrière la tête. Poussez bien les coudes en arrière. Prenez une inspiration au centre. Expire. On tourne tout le buste vers la droite en laissant bien les coudes en arrière. Inspire au centre. Expire vers la gauche. Inspire au centre. Encore trois fois de chaque côté. Et on revient au centre sous l'inspire. On ramène les bras loin du corps. Bon. Vous allez maintenant faire avancer le pied gauche en avant. Là. Puis vous ouvrez très légèrement le pied droit à l'arrière.
pour avoir bien l'équilibre. Les bras sont le long du corps. Inspire, on monte les bras à la verticale. Expire, je pousse les fesses en arrière et je descends le dos bien étiré, les bras aux oreilles. Je pose mes mains de chaque côté du pied et je rapproche tête, jambes. Puis je passe ma main gauche à l'intérieur du pied gauche et sur l'inspire, je monte le bras droit sur le côté et la tête suit le mouvement. Je regarde ma main droite. Expire, je replace mes mains de chaque côté du pied. De nouveau. Sur l'inspire, on remonte le dos bien étiré à la verticale. Expire, main jointe devant la poitrine. Allez, on va le faire encore deux fois. Inspire, montez les bras à la verticale, ouvrez les paumes de main. Expire, on descend, le dos bien étiré, poussez les fesses en arrière. Le dos est étiré, les mains sont de chaque côté du pied gauche. On rapproche tête jambe. Puis je déplace ma main gauche à droite du pied gauche. Et sur l'inspire, je monte le bras droit par le côté, je regarde le côté droit. Expire, je ramène les mains de chaque côté. Inspire, hop, je m'étire en remontant sur l'inspire. Mains jointes devant la poitrine. Allez, une dernière fois, de ce côté-là. Inspire, montez les bras à la verticale. Expire, je me penche en avant, main de chaque côté du pied. Je déplace ma main gauche vers la droite du pied. Et sur l'inspire, je monte mon bras droit à la verticale. Expire, je ramène. Inspire, je monte le bras, main jointe devant la poitrine. De l'autre côté, allez, j'avance mon pied droit. Je déplace un petit peu, j'ouvre mon pied arrière. Inspire, montez les bras. Expire, je pousse les fesses en arrière, je descends le dos bien étiré. Je pose les mains et je rapproche tête, jambes. Puis, je déplace ma main droite et je la mets à gauche de mon pied droit. Et sur l'inspire, je monte le bras gauche par le côté et je regarde le bout des doigts de ma main gauche. Expire, je ramène les mains de chaque côté. Inspire, je remonte. Encore une fois. Expire, je descends. Je déplace ma main droite. Et je monte le bras gauche par le côté. Je regarde le bout des doigts de la main gauche. Expire, je reviens. Je déplace mes mains. Et sur l'inspire, je remonte les bras aux oreilles. Encore une fois. Expire. Je déplace ma main droite et sur l'inspire, je monte le bras gauche par le côté. Tournez bien la tête pour regarder votre main. Expire, je ramène. Je déplace mes mains de chaque côté du pied et sur l'inspire, je remonte. On va le faire une dernière fois. Expire. Je déplace ma main, inspire, je monte le bras gauche à la verticale. Je regarde bien le bout des doigts de la main gauche. Expire, je ramène, je replace mes mains de chaque côté du pied. Et sur l'inspire, je remonte aux oreilles. En expirant, on jointe devant la poitrine. Allez,
Vous allez maintenant vous allonger sur le tapis. Et nous allons faire un demi-pont. Donc, les pieds, vous allez plier vos jambes en rapprochant les talons le plus près possible des fessiers. Inspire. En même temps que je soulève le bassin le plus possible, je monte les bras derrière la tête. Expire, je ramène. Et je continue. Inspire. Je soulève les bassins. Les bras montent derrière la tête. Allez, le plus possible. Expire, je ramène. Encore deux fois. Pratiquez votre respiration Ujjayi en même temps. Vous devez vous entendre respirer. Cette fois-ci, vous n'allez pas monter les bras, vous allez simplement soulever le bassin le plus haut possible. Vous croisez vos doigts, vous rapprochez vos omoplates et vos bras sous le dos. Et là, vous maintenez les bras bien tendus. Vous maintenez 4 respirations. On repose sur une expire, vertèbre par vertèbre sont deux au sol. Puis vous allez mettre une main sur chaque genou, vous soulevez les pieds. Et nous allons pratiquer Apanasana. Sur l'inspire, on repousse les genoux. Et sur l'expire, on plie les bras et on les rapproche. Inspire, on repousse les genoux. Loin de la poitrine, expire, on les rapproche. Sentez bien le massage au niveau du sacrum. Vous reposez vos pieds, vous allez vous tourner et vous allez maintenant, on va pratiquer le cobra, mais d'abord une posture d'approche et ensuite on pratiquera. Alors, front au sol, talons serrés, jambes tendues, les orteils sont allongés, placez vos mains en haut des fessiers et les bras, les doigts sont en direction des talons. Rapprochez bien les coudes autant que possible. Sur l'inspire, je monte le buste, la tête, le buste, je regarde devant moi. Expire, je ramène. Inspire. Expire, je ramène. Inspire. Une dernière fois. Allez, contractez bien les fessiers. Relâchez. Laissez tomber les talons vers l'extérieur. Relâchez bien.
Et nous allons pratiquer maintenant la posture du cobra après ce petit échauffement. Donc, front au sol, talons serrés, jambes tendues, mains à plat de chaque côté de la poitrine. Les coudes sont pliés en hauteur. Sur l'inspire, je monte la tête, le buste. Ne mettez pas de poids sous vos mains. À la limite, vous pourriez ne pas mettre les mains. Expire, je tourne la tête à gauche. Je regarde mon épaule gauche. Inspire au centre. Expire à droite. Inspire au centre. Et je repose sur l'expire. Inspire. On soulève le buste, la tête. Expire à gauche. On tourne la tête à gauche. On regarde son épaule gauche. Inspire au centre. Expire, on regarde son épaule droite. Expire au centre. Et on repose. Inspire, soulevez. Expire, on regarde l'épaule gauche. Inspire, au centre. Expire, on regarde l'épaule droite. Inspire au centre. Et on repose. Le dernier. Inspire, on soulève. Expire, épaule gauche. Inspire au centre. Expire, épaule droite. Et on repose. Vous allez maintenant placer, vous allez vous allonger sur le dos. Allez. Genoux sur la poitrine, les bras en croix. On inspire au centre. Expire, les genoux tombent à gauche, le plus haut possible. Et la tête tourne à droite. On est en torsion. Attention de ne pas soulever l'épaule droite. Les épaules sont plaquées au sol. Inspire au centre. Expire. Genou à droite, tête à gauche. Inspire au centre. Expire. On continue jusqu'à ce qu'on ait fait 4 fois de chaque côté. N'oubliez pas de bien mettre tout le corps en torsion, sans soulever les épaules. Pratiquez votre respiration mudra. Vous revenez au centre sur l'inspire. Vous descendez vos genoux sur la gauche. Vous empoignez vos genoux avec la main gauche pour les plaquer au sol. Tournez la tête à droite et vous maintenez 4 respirations dans la posture. Remontez bien vos genoux. Envoyez votre souffle dans la partie droite de votre cage thoracique. Quand on a fait ces 4 respirations, on revient au centre sur l'inspire. Les genoux tombent du côté gauche le plus haut possible. On empoigne ses genoux avec la main droite. Tombe du côté droit. On empoigne ses genoux avec la main droite, on tourne la tête à gauche et on maintient 4 respirations.
On revient sur une inspire au centre. Posez les pieds au sol, respirez. Main gauche sur l'abdomen. Main droite au niveau de la poitrine. Et vous allez pratiquer une dizaine de respirations Ujjayi. Pensez au bruit que fait l'océan, au bruit des vagues. Inspire. Quand vous avez fait votre dizaine de respirations, vous allongez vos jambes et vous prenez la posture de relaxation, posture du cadavre. Les jambes un peu écartées, les bras un peu écartés du corps. Et on se concentre sur sa respiration. Tranquillement.